Et bien, bonjour à tous et à toutes. Dans cette toute nouvelle vidéo sur Fortnite, on se retrouve enfin pour le 4e anniversaire du jeu. Autant vous dire que oui, ça fait 4 ans et c'est vraiment énorme quand même. Bon, 4 ans que le BR se porte bien, attention. Par contre, sauver le monde, je dirais 2 ans et après les 2 ans, ça a commencé à couler. Et puis à partir des 3 ans, bah, ça a commencé à couler encore plus vite. C'est vraiment dommage, mais vous allez voir qu'en plus, qu'on n'a rien en contenu, ils nous ont fait une petite entourloupe pour être sûr qu'on ait encore moins de contenu. Hein. Vous allez très vite comprendre. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une suite de quêtes pour débloquer des lamas d'anniversaire qui sont extrêmement rentables. Mais derrière, l'entourloupe commence aussi à partir de là. Alors, on va aller directement dans la boutique de lamas. Vous avez 2 lamas gratuits du 22. Alors, c'est déjà passé, ça j'en suis conscient. Jusqu'au 28, alors que l'anniversaire avait commencé le 25, donc hier. Oui, ils ont voulu faire un petit cadeau avant l'heure, c'est cool de leur part. N'hésitez pas à les prendre, c'est vraiment hyper important. Parce que ces lamas-là, si vous ne connaissez pas, pour ceux qui n'ont jamais fait d'anniversaire sur Sauver le Monde, eh bien, ce sont des lamas qui nous donnent des récompenses d'événements qui sont déjà passés. Et ça, c'est vraiment les meilleurs lamas qu'on pouvait avoir. L'entourloupe, elle commence directement ici, dans la boutique. Normalement, à chaque anniversaire, avec les tickets de l'événement actuel, donc actuellement on a Lama qui déchire, avec ces tickets-là, on pouvait acheter, dès qu'il y avait l'anniversaire, il me semble que c'était 2 fois plus cher, si je dis pas de bêtises, ou genre 2 fois moins cher, il y avait un truc comme ça, on pouvait acheter des Lamas d'anniversaire avec les tickets. Et ben là, ils sont où les Lamas? Et ben l'entourloupe, ça y est, elle commence déjà à partir de la boutique. De 1, ils nous limitent la quantité de Lamas d'anniversaire qu'on peut choper, donc ça c'est vraiment pas cool. Et de 2, bah, en contenu, on n'a rien. Alors que l'année dernière, à titre de comparaison, on avait, on va dire, dans la tranche de l'anniversaire, on avait l'aventure qui avait débuté. C'était un énorme contenu comme ça, bam, qui nous avait balancé, nouveauté. Mais là, on n'a rien. C'est, je sais pas, un des plus gros événements. Enfin, c'est censé, sur tous les jeux, être un des plus gros événements. Je prends à titre de comparaison sur Dokkan, actuellement, c'est un jeu mobile. C'est la pampa, hein. Vous avez des invocations à tire-larigot, des nouvelles unités, c'est vraiment la fête. Que là, sur Sauver le Monde, c'est vraiment le vide intersidéral. Alors, évitons de trop critiquer ça, on va aller directement dans les quêtes, parce que c'est là où ça commence à être intéressant, où ça va être même le seul endroit où c'est intéressant. Vous avez, dans événements anniversaire de Fortnite, une petite suite de quêtes qui va vous donner au fur et à mesure des lamas d'anniversaire. Alors, je dis au fur et à mesure. J'en ai fait aucun, tellement que vraiment ça m'a démoralisé. Là actuellement, je vois que j'ai 1 lama. Mais est-ce que après je vais avoir une autre mission d'anniversaire? Ça je sais pas. Le but, c'est d'éliminer des carcasses à gâteaux. Ce sont tout simplement de mémoire des mastocs qui ont un gâteau dans le dos. Ou alors ceux qui ont la bonbonne de gaz. Bah, la bonbonne de gaz devient un gâteau. De mémoire c'est ça, il faut les éliminer. Et ça va progresser, vous aurez un lama d'anniversaire. Bam, c'est cool. Petite subtilité, et ça, bah, je sais pas pourquoi ils le font pas en fait. Alors, attention, petit détail que j'ai aussi oublié de mentionner, l'anniversaire ira jusqu'au 8 août. Donc, on a la deuxième semaine. Mais, bon, la deuxième semaine, s'ils nous font pas une dinguerie, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Donc, pour le moment, sur la roadmap des semaines, là, jusqu'à la deuxième semaine, il n'y a rien qui est mentionné pour l'anniversaire. On a juste là, le lancement d'anniversaire pour cette semaine. Après, rien d'autre. C'est juste que dans collection, quand on va dans personnages d'événement, normalement, on avait les héros d'anniversaire. On en avait un pour chaque année. Alors, de mémoire, il me semble que j'ai loupé le John Hazy. Alors que pourtant, j'avais participé, mais il fallait faire d'autres missions, donc j'ai oublié de les faire. Mais, on est censé avoir un 4e héros. Ça aurait été cool, je sais pas, d'avoir un 2e constructeur, un Kyle, ou alors un aventurier pour changer un peu. Mais, bah, faut croire que non, c'est mort. Peut-être, je croise les doigts, hein. J'espère que vous croisez aussi les doigts, hein. Que la deuxième semaine, ils nous font une dinguerie. On a encore une semaine pour y croire, mais vu comment c'est parti, bah, ça a l'air d'être vraiment triste. Ils auraient pu, pendant l'anniversaire, nous rajouter une nouvelle ville, donc dépasser le niveau 130 qu'on avait actuellement, avec justement le niveau classique. Mais malheureusement, non, ils ont décidé autrement, ça aurait pu faire un nouveau contenu, la sélénite, la diaphanite, non pas la diaphanite, enfin... Les ressources arc-en-ciel, elles auraient pu prendre un sens. Que là, bah, c'est juste, on va dire, un fantasme de se dire « Ouais, il y a des nouvelles ressources niveau 6, on va enfin avoir une ville. » Bon, on l'attend depuis très longtemps, cette ville. Et ça, c'est vraiment ultra triste de leur part. Enfin bref,
Voilà en tout cas l'anniversaire actuellement, c'est vraiment très très maigre. On peut même pas acheter de lama dans la boutique, on peut juste choper des lamas gratuits et faire quelques missions et point barre. C'est vraiment ultra triste, hein, j'en perds mes mots. Alors que sur d'autres jeux, c'est la pampa en général. Quand c'est Noël ou l'anniversaire, en général, sur d'autres jeux, c'est vraiment la fête. Vous avez des caisses à tir larigot, de nouvelles unités, je sais pas, de nouvelles armes, admettons, sur d'autres jeux où ça tire partout. C'est ça aussi la différence entre justement les jeux, entre Epic Games et d'autres éditeurs. C'est vraiment ce qui est triste. Allez, enfin bref, j'espère que cette petite vidéo pour l'anniversaire vous aura plu. N'oubliez pas de faire la suite de quête, ou alors la quête pour avoir les ou le lama d'anniversaire. N'oubliez pas de prendre vos deux lamas d'anniversaire dans la boutique, c'est quand même très important. Et après, on verra la deuxième semaine. S'ils nous font une dinguerie, je referai une vidéo évidemment. Alors oui, là j'ai eu une petite journée de retard, pour ça je m'en excuse. Et petit détail, demain j'aurais voulu faire une vidéo sur la nouvelle suite, enfin sur le retour de la suite de quête qui a pour un héros mythique. Eh bien je ne pourrais pas parce que demain je vais être très très occupé, donc pour ça je suis désolé. Je la ferai peut-être le lendemain si je suis pas trop crevé dans le soir. Et au pire, je pense que peut-être dans la journée je la ferai et j'irai me balader le temps que ça télécharge. Parce que ma connexion est vraiment déplorable, hein, donc il faut pas que je joue pour vraiment télécharger le plus vite possible. Enfin bref, vous verrez dans tous les cas. Allez, moi je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.